Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un petit peu mon book haul du mois de novembre. Comme d'habitude, j'ai un peu plein de choses différentes à vous présenter. J'ai des livres de poche, j'ai des grands formats, du neuf, de l'occasion. Donc je vais commencer tout de suite avec peut-être les 4 graphiques que je me suis achetés ce mois-ci. Parce que parmi les 4 graphiques, je les ai tous lus et il y avait notamment 3 suites que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Donc parmi les suites que j'attendais avec grande impatience, c'était le tome 10 de Made in Abyss. Donc c'est de Akihito Tsukushi qui est publié chez Ototo. C'est une série de seinen que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en ai parlé vite fait dans un vlog, donc je vous laisserai aller voir ça, mais j'aime beaucoup trop cette série. C'est pas forcément pour les personnes qui ne veulent pas de trucs trash dans leur lecture, parce qu'il se passe quand même des choses bien horribles dans cette série. Donc voilà, c'est une série qui vous brise le cœur quand même à pas mal de moments, qui peut vous faire pleurer. Mais j'ai trop aimé cette lecture. Je suis vraiment ravie que cette suite soit enfin sortie en français, parce qu'on a attendu quand même vachement de mois avant de la voir. Donc j'ai hâte d'avoir le tome 11 maintenant entre mes mains. Une autre suite que j'ai dévorée aussi à sa sortie, c'est la suite de Jujutsu Kaisen. Donc là on arrive au numéro 17, donc c'est Paré à toute éventualité de Jeji Akutami qui sort chez Kiun. Donc là c'est une suite de série que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Ici on est plus dans du shonen. J'aime beaucoup trop cette série, je vous en ai parlé je ne sais pas combien de fois, évitez de revenir dessus encore une fois, mais j'aime beaucoup trop cette série et j'ai hâte un petit peu que certains événements soient enfin réglés, parce que là je trouve que il y a certains événements qui traînent un petit peu en longueur, mais c'est toujours une très bonne lecture, donc je suis ravie de l'avoir lue. Et également une autre suite que j'ai lue, c'est le tome 8 de Solo Leveling, donc de Dubu et Shugong, qui est sorti chez Kabooks. Donc c'est le tome 8 de cette série. Pareil, je ne vais pas forcément revenir dessus parce que je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Là c'est pas un manga, c'est un manhwa, donc ça se lit dans l'ordre qu'on connaît nous et avec des planches en couleur. J'aime beaucoup trop cette série aussi, donc je suis ravie d'avoir lu ce tome 8. Il y a plein d'évolutions et là on part dans une direction et dans un arc qui me rappelle un petit peu Hunter x Hunter. Donc si jamais vous l'avez lu et que vous avez également lu ou vu Hunter x Hunter, il y a certains passages, je trouve, qui font peut-être référence à ça, je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup. Donc voilà pour les 3 suites que je me suis achetée et que j'ai lues. Et je me suis également pris un petit one shot qui est une romance BL ici, c'est dans La Fleur de l'âge de Tsumushi Kuroi, voilà, qui est publié chez Anna Collection. Je l'ai lu, c'était sympathique, mais je trouve que ça allait quand même globalement très vite. J'aurais bien aimé plus de développement des personnages, et au niveau de la romance je sais pas, il m'a manqué quelque chose, mais bon, ça se lisait bien, mais c'est pas le manga BL que je vous recommanderais par exemple. Je trouve que ça va un peu trop vite, et le fait que ce soit en one shot comme ça, c'est... voilà, c'était trop rapide pour moi, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Donc voilà un petit peu pour les achats graphiques, donc je suis vraiment très contente de mes achats. Alors ensuite je vais passer aux poches. Parmi les poches, il y en a un seul que j'ai trouvé d'occasion à ma bouquinerie, c'est un Marie Vareille, donc c'est Ma vie, mon ex et autres calamités, qui est publié chez Charleston. J'ai lu les 2 Marie Vareille que j'avais dans ma pilier récemment, je vous en ai parlé en vlog, et là du coup je me suis dit que ce serait cool de découvrir un autre titre d'elle. Je sais pas trop de quoi ça parle. Là on va suivre Juliette qui a un amoureux, un job, un appartement et 31 paires de chaussures, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Du jour au lendemain elle se retrouve célibataire, chômeuse et sans logement. Une série de quiproquos rocambolesques la contraint à affronter sa plus grande terreur, l'avion, s'envoler pour les Maldives à la poursuite de son ex et de sa mystérieuse nouvelle copine. Évidemment là non plus rien ne se passe comme prévu. Voilà, je pense que ça va être un petit feel good peut-être. Il n'est pas très long, 290 pages. J'ai hâte de continuer un petit peu ma découverte de cette autrice, donc je suis très contente de l'avoir trouvée d'occasion. Ensuite je me suis pris 2 livres de New Romance, parce que c'est 2 autrices que j'adore. Il y en a un que je vous ai déjà présenté dans un vlog aussi parce qu'il est déjà lu, c'est London and Shay, tome 2 de Brittany Cecchieri, qui est publié chez Hugo Roman. C'est la suite de la duologie sur ces personnages. Je voulais le lire pour mes petits challenges avant la fin d'année, donc c'est chose faite et j'ai adoré ce livre là. Pareil, je vous en reparle dans le vlog si jamais vous l'avez pas vu, c'est le dernier vlog sur la chaîne. J'ai beaucoup trop aimé cette lecture, j'aime beaucoup trop l'écriture de Brittany Cecchieri, donc forcément je ne pouvais que adorer ce titre, surtout que j'avais déjà adoré le tome 1. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir acheté et l'avoir déjà lu. Et le deuxième titre que je me suis acheté avec une auteure que j'adore aussi, c'est Colleen Hoover. Donc là c'est Layla, donc toujours publié chez Hugo Roman. Je sais pas de quoi ça parle, mais je vous en reparlerai très vite parce que j'aimerais bien le lire avant la fin d'année. Mais chez Colleen Hoover je lis pas les résumés parce que j'aime bien me plonger dedans sans rien à savoir. Mais il me semble qu'on part dans un truc un petit peu fantastique, si j'ai pas de bêtises, au vu des avis que j'avais vus.
Voilà, je vous en reparlerai très vite de toute façon, je vais le lire bientôt, il est pas très long, il fait 380 pages, donc ça va se dévorer. En tout cas, je suis très contente d'avoir acheté les deux titres de mes autrices, un peu chouchou dans ce genre-là. Donc voilà, je vous en reparlerai très vite pour celui-là, et si celui-là vous voulez un petit peu mon avis, je vous laisse aller voir le dernier vlog sur la chaîne. Ensuite, il y avait une sortie poche que je voulais absolument me prendre, puisque je suis en train de terminer le tome 3 de la saga Les Archives de Rochard, donc qui est justicière, là j'ai plus que la deuxième partie à terminer, et il y a une petite nouvelle à lire entre le tome 3 et le tome 4, donc entre Justicière et Rythme de Guerre, qui est donc Éclat de l'Aube, donc de Brandon Sanderson, et je voulais absolument me le prendre parce que j'ai très envie d'avoir le petit format papier pour le lire. Il fait 300 pages, donc pareil, la nouvelle n'est pas très très longue, mais voilà, je sais juste qu'on suit, qu'on va suivre, il me semble, Rissen, qui est un personnage qu'on voit du coup dans Les Archives de Rochard, donc j'ai hâte de suivre un petit peu ses aventures à elle. J'avais bien aimé la nouvelle qui est dans Scord, qui était entre le tome 2 et le tome 3, puisqu'on suivait un personnage qu'on avait déjà vu dans Les Archives de Rochard, mais pas forcément beaucoup, donc on avait beaucoup d'informations sur elle, beaucoup d'informations sur ce qu'elle est capable de faire et sur où elle était. Et ça m'a vraiment permis de découvrir de plus en plus de choses sur ce personnage et de l'apprécier beaucoup plus que dans la série, en fait, que dans les titres des Archives de Rochard. Je crois que c'était dans le tome 2 qu'on l'avait rencontré. Donc là, je suis très curieuse également d'avoir plus d'informations et plus d'aventures avec Rissen. Donc voilà, je ne vais pas forcément le lire tout de suite, ce sera peut-être une lecture de début d'année, je pense, mais je suis très contente de l'avoir en ma possession. Je suis pas très fan que le livre de poche ait encore changé les couvertures des titres en format poche, parce que au fur et à mesure, en fait, si jamais vous avez commencé la collection avec les anciennes couvertures, bah vous allez avoir la suite de la série dans des couvertures blanches et rouges comme ça. Je trouve que c'est un peu chiant pour les personnes qui ont déjà débuté cette série. Donc voilà, j'aime pas forcément beaucoup, je trouve ça un peu dommage de changer les couvertures comme ça en plein milieu d'une parution d'une série. Mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive malheureusement. Et ensuite, je me suis pris un dernier livre de poche chez Hugo Newey, qui est un contemporain young adult ici, de Morgan Moncomble. Donc c'est En équilibre, il est sorti justement là début novembre et je voulais me le prendre parce que j'espère avoir le temps de le lire avant la fin d'année également, pour un challenge, donc j'aimerais bien me le caser au mois de décembre. Je suis très curieuse de voir un petit peu ce qu'elle peut faire en young adult. Du coup, ben, avec ce titre là, où là on va suivre Lara qui vit à New York avec ses parents et sa sœur jumelle Amelia. Toutes deux très fusionnelles, sont passionnées de cirque depuis leur plus jeune âge. Surtout Lara, grande anxieuse, pour qui le cerceau aérien est un souffle, une façon de respirer. Si bien qu'elle voudrait en faire son métier et pourquoi pas se produire un jour sur une scène de cabaret. Mais ses parents ne voient pas les choses sous cet angle et lorsqu'Amelia annonce vouloir arrêter le cirque, Lara, qui a toujours été la grosse des deux, va devoir affronter sa famille et surtout ses démons intérieurs. Arrivera-t-elle à prouver que personne ne pourrait l'empêcher d'être la meilleure perchée dans les airs? Voilà, je suis vraiment très curieuse de voir un petit peu ce qu'elle peut faire avec cette thématique. Donc je croise les doigts pour avoir le temps de le caser avant la fin d'année parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Donc là, j'ai plus que des titres au grand format à vous présenter. Je vais d'abord vous présenter un petit peu les titres en VO que je me suis acheté. Il y en a certains qui sont déjà sortis en français, donc je vous préciserai à chaque fois. Mais j'ai commencé à me racheter des titres en VO pour essayer d'en lire beaucoup plus l'année prochaine. Le premier titre que je vais vous présenter, c'est un roman que j'ai déjà lu et dont je vous parle dans le dernier vlog également. C'est Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Un titre qu'on peut classer dans plusieurs genres, je pense, mais je mettrais plus ça dans fiction historique avec secret de famille, saga familiale, ce genre de choses. Je vous laisse aller voir mon avis, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé ce titre-là et je suis très contente d'être repartie dans la lecture en anglais avec cette autrice parce que j'aime beaucoup sa plume. C'est plus un titre que je vous conseille à lire plus en printemps, été, si jamais vous souhaitez le découvrir. Celui-ci est d'ailleurs sorti en français chez Charleston sous le titre Les Sirènes de Malibu, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir déjà lu et j'espère vraiment avoir le temps de lire un autre titre d'elle peut-être avant la fin d'année. Mais pas de pression parce que vu que c'est des titres en anglais, j'ai pas trop envie de me forcer avant la fin d'année. Parce qu'il y a plein d'autres titres que je voudrais lire pour mes petits challenges avant décembre, donc voilà. Comme je vous disais du coup dans le vlog, je me suis également acheté un autre titre de Taylor Jenkins Reid qui est Maybe in Another Life, qui est également... alors là-bas c'était publié chez Penguin, si j'ai pas de bêtises, là c'est publié chez Simon & Schuster. J'aime beaucoup trop ces couvertures avec... plein de couleurs comme ça, juste un coucher de soleil, franchement j'aime beaucoup trop les couvertures. Alors je vous l'avais présenté dans la vidéo où je vous présentais les titres en VO que j'avais rajouté à ma wishlist récemment. Et là en gros, alors le titre est beaucoup plus court que l'autre, il fait 315 pages et c'est quand même
vachement plus aéré. Ce que je me rappelle au niveau du résumé, en fait, on va suivre une femme qui a la trentaine, 29 ans, qui en fait va revoir sa meilleure amie et va revoir également son ex du lycée ou de l'université, je sais plus trop. Et en gros, lors d'une soirée, elle va pouvoir faire un choix, soit rentrer avec sa meilleure amie, soit partir avec son ex. Et voir l'histoire qui va se splitter en deux, où justement elle va soit suivre l'un, soit suivre l'autre, et on va suivre un petit peu les deux histoires parallèles. De ce que j'ai compris, on nous dit qu'il y a une alternance entre deux univers parallèles. Voilà, donc je suis très curieuse de savoir pourquoi on suit un petit peu ces deux histoires et ce qui va arriver du coup à notre héroïne avec ça. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai dévoré. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de continuer ma découverte de cette autrice. Alors ensuite, je me suis trouvée à ma bouquinerie trois titres en VO, dont un qui est déjà sorti en français chez Pocket Jeunesse, si je dis pas de bêtises. C'est Birthday de Meredith Rousseau. Je crois que c'est le même titre en français. Je ne suis pas bêtise non plus. Alors je vous avoue que pour ce titre là, c'est uniquement les avis que j'avais vus dessus qui m'ont fait acheter ce roman. C'est un contemporain young adulte. Et là on nous dit rencontrer Eric et Morgan, ils sont nés le même jour, à la même heure, au même endroit. Voilà, j'en sais pas plus, mais il est très très court. J'avais vu tellement de bons avis dessus que je suis vraiment curieuse de le lire. Donc voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, je me suis dit qu'un petit contemporain en anglais comme ça pour l'année prochaine, ça pourrait être très sympa. Pour essayer de pas trop lire des gros gros titres en VO qui vont peut-être me frustrer. Là, c'est un roman qui fait moins de 300 pages, donc ça va bien faire aussi. Ensuite, les deux derniers romans en anglais que je me suis trouvée également à ma bouquinerie, c'est les deux premiers tomes d'une tétralogie. C'est une autrice que j'avais déjà vu passer sur pas mal de chaînes anglophones que je suis. Il y a pas mal d'années de ça quand même, cette série n'est pas du tout nouvelle. Et en fait, je me suis dit que ce serait peut-être assez facile à lire en anglais, je me déguillais parce que ce qui me fait plus peur, c'est le nombre de pages et j'ai peur de me lasser, on va dire, de lire des grosses briquettes comme ça en anglais. Mais en fait, le synopsis me tentait vraiment, vraiment beaucoup et j'avais très envie de découvrir cette autrice. Donc je me suis pris la série The Diviners de Libba Bray. Donc le premier tome, c'est The Diviners et le deuxième, c'est Lair of Dreams. J'ai trop, trop hâte de découvrir cette série. Déjà, j'aime beaucoup les couvertures. Je le trouve assez classe. Alors de ce que j'ai compris du résumé, en fait on va suivre Evie O'Neill qui va quitter sa ville natale pour aller à New York chez son oncle. Mais son oncle a une obsession pas très saine pour l'occulte. Et en gros elle va découvrir que son oncle a un secret assez sombre car il a un pouvoir surnaturel. Et il va y avoir la police qui va l'appeler sur les lieux d'un meurtre. Une jeune fille s'est fait assassiner et elle a un symbole cryptique sur elle et du coup son oncle est un petit peu appelé pour aider en fait à attraper le meurtrier et on va suivre ça. Franchement je pense que ça risque d'être très très chouette, ça a l'air d'être assez sombre, d'avoir un petit côté fantastique. Donc la seule chose qui me fait peur c'est qu'il fait 578 pages et que c'est écrit quand même relativement petit dedans. Voilà, c'est tous des grosses briquettes et qu'il y a 4 tomes dans cette série, mais ça reste du fantastique, donc ça reste dans notre monde. Il y aura uniquement quelques éléments fantastiques qui vont être abordés, notamment tout ce qui touche à l'occulte, donc je me dis qu'il y a peut-être moyen de s'en sortir au niveau de la lecture en anglais. Mais j'ai trop trop hâte de découvrir cette série et vu que je les ai trouvées d'occasion, bah, si jamais je vois que c'est inabordable pour moi, que le style est trop compliqué, bah tant pis. Mais j'avais très envie de tenter, donc je suis très contente de les avoir trouvés. Et ensuite j'ai deux autres titres à vous présenter. Un titre que j'ai reçu en service presse de la part de chez De Saxus. C'est le deuxième et dernier tome de la duologie de Le Trône des Sept Îles. Donc c'est L'Héritage des Sept Îles de Adaline Grace. J'aime beaucoup trop cette couverture en violet comme ça. La mère était déjà super jolie. J'aime beaucoup tous les dessins qu'il y a autour du titre. Et là je trouve que c'est très joli aussi. Dans cette série on est dans un titre de fantasy young adult où en fait on va suivre la princesse d'un royaume, la princesse héritière. Et en gros elle va devoir faire ses preuves en utilisant de la magie pendant une cérémonie et ça va très très mal se passer. Elle va devoir fuir et on va suivre un petit peu ses péripéties suite à ça. Et elle va devoir essayer de régler un problème puisqu'il y a une magie assez, assez sombre et qui peut un petit peu faire tomber tout le royaume qui est là. Et du coup elle va essayer de sauver un petit peu ce royaume. Mais voilà, je suis très contente d'avoir cette suite parce que j'ai très envie de terminer cette duologie. Donc j'espère que j'aimerai tout autant que le premier. Le premier n'avait pas été un coup de cœur mais ça avait été une très bonne lecture. Il y avait pas mal de péripéties, on s'ennuyait clairement pas. J'avais plutôt bien aimé les personnages, on voyageait beaucoup, ça se passe en mer. Donc moi tous les trucs comme ça j'aime bien.
Donc bah, j'ai hâte et j'espère vraiment que ça va se finir en beauté pour cette duologie. Et ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un titre que j'attendais avec beaucoup d'impatience d'un auteur chouchou, un titre de SF, donc c'est le tome 3 de Skyward de Brennan Sanderson, qui est donc Cytonique, qui est sorti chez le Livre de Poche. Ne parlons pas trop de la couverture parce que je suis absolument pas fan, mais j'avais très très hâte de lire ce tome 3, je suis vraiment trop hypée. Voilà, il y a beaucoup moins de petits dessins dans ce titre-là que dans les autres, j'ai l'impression. On avait des dessins de vaisseaux et tout, et là il n'y en a pas trop. Mais j'ai vraiment trop hâte de savoir un petit peu la suite des événements. Donc ouais, j'espère vraiment me caser bientôt parce que auteur chouchou, saga que j'adore, de la SF, ça se lit tout seul, il y a plein de batailles. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup trop bien, donc j'ai hâte de le lire ce tome 3. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce book haul. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.